Oui, il faut aider les entreprises en temps normal, mais aujourd'hui, après le confinement, plus que jamais. Je suis diplômé d'une école de commerce, je viens du monde de l'entreprise, j'ai moi-même créé une entreprise et je sais ce que c'est d'être confronté à l'inconnu. Et en ce moment, il faut vraiment aider nos entrepreneurs, nos chefs d'entreprise. Nous devons donc, bien sûr, accompagner ces entreprises. C'est ce que je fais déjà ces journées par rapport à des questions. Par rapport à des questions surtout administratives, et l'accompagnement est un rôle principal pour l'élu et sur notre ville pour accompagner donc les entreprises. Nous avons aussi des atouts majeurs sur notre territoire, de l'Autunois, du Lotunois Morvan. Je prendrai l'exemple de ce qui est de l'agriculture, de ce qui est également les valeurs et notre richesse de nos forêts. Exploiter au mieux tout ce qui est la filière bois. Nous avons nous-mêmes fait un plan pour les commerces de centre-ville en annulant des taxes sur les terrasses, la taxe sur la publicité extérieure. Mais il faut également aider les entreprises en leur assurant en ce moment du chiffre d'affaires. Et ça, ça passe par les investissements, par la commande publique, par les travaux. Et alors que de nombreuses collectivités ont décidé de restreindre les travaux, nous avons souhaité au contraire rajouter des travaux.